Salut tout le monde, bienvenue aux 2 minutes Quantum. Aujourd'hui, je vous parle de mes 3 variations de triceps favorites. Donc, premièrement, les variations que je vais donner, c'est des variations qui permettent de garder le coude directement en ligne avec la force. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu fais un lying dumbbell extension traditionnel ou un skull crusher, souvent les coudes vont sortir vers l'extérieur chez la plupart des gens. Donc, travailler avec des câbles, ça va nous permettre de vraiment bien garder le coude en ligne avec la tension, ce qui va permettre un meilleur recrutement musculaire et aussi une diminution des blessures. Donc, première variation, c'est le two rope push down. Donc, en fait, ce que ça permet, c'est juste de garder vraiment les scapulas très stables, donc les omoplates. Donc, comme on sait que le triceps s'insère un chef sur la scapula, c'est important de garder la scapula très stable. Ça va permettre aussi de garder le coude en ligne avec la tension, de permettre aussi de garder les coudes plus vers l'arrière et d'avoir une extension complète au niveau du triceps. Deuxième, c'est le seated two cable push down en X. Donc, ce que ça permet encore là, garder le coude en ligne avec la tension, mais cette variation-là va travailler plus dans le milieu du mouvement. Donc, comme on sait qu'on est plus fort dans le milieu du mouvement comme un dumbbell lying extension, ça va nous permettre de travailler dans la même courbe de force qu'un exercice comme le skull crusher, mais d'avoir la tension directement sur les muscles. Dernière variation, encore le même principe, ça va nous permettre de garder le coude en ligne avec la tension et ça va nous permettre aussi d'aller travailler le coude dans une position qui est plus haut par rapport à l'épaule, ce qui va changer le recrutement et ce qui va nous permettre aussi de travailler le triceps dans une partie qui est plus étirée. Donc sur ce, bon entraînement et bon succès!